Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le quatrième épisode de la saison 2 de Pokémon Insurgents, jeu fanmade sur PC seul et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, c'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire à la sortie d'un espèce de tout où on a fait des puzzles sur la route 15. Et bon, on avait exploré la route 15, on avait aussi récupéré les mises à jour du taxi qui nous permettent maintenant de nous envoler au-dessus de Tauren, un peu comme dans Ruby Omega et Sapphire Alpha avec Megalatios et Megalatias. Aujourd'hui, on va aller à la ville qui est en dessous, c'est Amphitrite City, qui est apparemment la ville du 7ème badge, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Et si le temps nous le permet, on fera un combat d'arène aujourd'hui, sinon ce sera dans l'épisode de demain. Avant de commencer de faire le récapitulatif de l'équipe, je voudrais prendre 30 secondes pour vous parler de deux choses. La première, je dois vous remercier du soutien que vous avez, enfin de l'engouement accordé envers la reprise de la série. Ça fait super plaisir de voir autant de monde. J'espère que ça va continuer, j'espère surtout que ça va se répercuter sur les séries suivantes. Et l'autre truc, je vais prendre 30 secondes parce que je vais mettre en mode Baboule Relou encore une fois, et personne n'aime Baboule Relou, même pas moi. C'est pour ça que je l'appelle le relou d'ailleurs. C'est j'ai juste oublié de préciser un truc dans ma tirade sur les activités de la chaîne. J'avais oublié de préciser que en ce qui concerne les projets Pokémon, j'ai plus ou moins une idée précise de ce que je veux faire. Donc, j'aime pas vraiment voir les commentaires quand est-ce que tu feras telle version, tout ça, parce qu'il y a de fortes chances que la réponse soit non. Si c'est pas un des projets, la réponse est non, et j'estime ne pas avoir à me justifier là-dessus. Donc, merci de ne pas demander pourquoi. Parenthèse refermée, l'équipe n'a pas changé, on va quand même faire un point, parce que vous savez que c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Nom de Zeus, nous avons d'abord Gojira, notre tyrannosif en armure, niveau 70. Avec lame de roc, séisme, point boost et machouille. Vous voyez en plus que j'ai pas bougé depuis la dernière fois puisque les poupées ne sont même pas restaurées. Tux, notre pingolino de 70 avec aqua jet, ébullition, dense lame et vrille. Alix le mégalibégon de 72 avec bourdon, tellurie force, hurlantique et fousroda. Brick le daron macho de 72 avec avec nitro charge, tombe roche, surpuissance et bout de feu. Led Zepp, le Togekiss 71 avec éclat magique, vœu, aura sphère et lame d'air. Et enfin Jiraim, le Galam Delta 71 avec danse lame, point éclair, point glace et coupe psycho. Ce point sur l'équipe étant fort, on va maintenant pouvoir se rendre dans la ville. Parce que, aux dernières nouvelles, c'est là qu'on doit aller. Sauf si une rencontre nous en empêche, qu'est-ce que c'est? Oh, attends, je vais essayer de te choper mon grand. Oh, légendaire, je ne dis jamais non. Surtout quand... Ah merde, j'ai plus de Rapid Ball, sa maman la pimpon. Bon, eh ben, on va y aller avec un point boost, c'est pas mal. On va y aller tout doucement. Ceci, c'est ça qui est bien. Quand tu te mets en mode, je fais ce que je veux, bah, c'est que tu peux mettre des légendaires dans des teams. Hein. Allez, un dernier coup, puis on monte en une Pokéball. Ça suffira. Maintenant, faut que je commence à lancer des Pokéballs. Et bah, Hyper Ball, c'est parti. Non, il veut pas. En plus, j'ai rien pour paralyser ou quoi que ce soit, donc... Autant dire que je suis un petit peu dans les caca. D'ailleurs, je suis en train de me dire la tempête sable. Ok, la tempête sable, elle s'arrête, c'est nickel. Allez, viens là, espèce de pimpon. Allez, tu sais quoi, tu vas rentrer dans une super boule et pas une hyper. Ok. Attends, tu veux peut-être une copain ball? Que ça, tu seras mon copain? Tu veux pas être mon copain? Sinon, je te propose. Une Honor Ball, parce que je suis honoré de te rencontrer. J'étais pas loin. Sinon... Tu peux aller te faire foutre, sinon. Allez, rentre là-dedans. Mais vas-y, là, ta mère. Espèce de pimpon. Il faudrait un tout petit truc, là, pour la félire. Je peux pas vraiment. Le problème, c'est que j'ai pas de cage éclair ou de trucs rigolos dans le genre. Allez, STP. STP, viens ici, STP. Si tu vois que je suis désespéré, je dis STP. Même pas s'il te plaît. STP. Allez. Allez, là, vas-y, ta maman. Non, ta maman, c'est rien qu'une méchante, d'abord. Ah, tu le prends comme ça. Eh ben, Chrono Ball dans ta face, bitch. Non, mais vas-y, là, vas-y, laisse ma défense tranquille, espèce de saleté radioactive. La. Allez. Ah, il a fait trois fois, il a fait trois boops. Il a fait trois boops, mesdames et messieurs. Ah, vas-y. Allez. Allez, on va réessayer une hyper. Allez, viens, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Vas-y, là. Moi, je continue. Rana foutre, je suis Belmondo, je mets le coup de boule. Eh,
Hop, non, on va pas se barrer tout de suite. Par contre, je vais utiliser une guérison là. Parce que Gojira a besoin de points de vie. Allez. Come to me. Come to daddy. Ah, vas-y, ce serait tellement la classe d'avoir un... Comment tu t'appelles en français? Je sais plus comment il s'appelle en français. Attends. Comment tu t'appelles en français, monsieur? Je vais aller terneter. Je vais terneter. Comment tu t'intitules en français? Boréas, voilà. C'est monsieur Boréas. Mais... J'ai pas d'idée de vanne avec Boréas, pardon. Ou alors c'est Boréas comme dans GoldenEye, c'est genre je suis l'invincible. Ah, il s'appelle Boris, Boréas, c'est ce que j'ai pu. Hein. Écoutez, les temps sont durs au niveau des vannes, hein. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu? Bon, rien d'important. Allez. Ah, vas-y! En même temps, je peux difficilement faire mieux là pour l'attraper. J'ai vraiment rien pour... J'ai vraiment rien, c'est ça le pire. Au pire, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un risque. Je vais renvoyer Gojira pour relancer la tempête sable. Et tant pis, ça met un timer, mais comme ça on reste pas tout l'épisode là-dessus, on tente le coup. Voilà. Je dois avoir... Ah, j'ai encore une chance de maximum. Allez, STP. Tu tiens, s'il te plaît? Allez, dernière chance. Je laisse faire. Est-ce que ça va faire boop? Est-ce que ça refait boop? Est-ce que ça fait encore boop? Espèce de pimpon, Boréas, c'est rien qu'un pimpon, tralala pouette pouette. T'as intérêt à apporter de l'XP. Le jeu, tu plantes pas, s'il te plaît. 2125 selon, t'as comment tu suces des poneys? Bon bah avec tout ça, moi je vais aller en ville, hein. Mais non, là j'attrape pas. Non, plus. Attends. Yé une idée. La dernière fois, on a eu sa méga gemme, non? Voilà, puis le canard est d'accord. Merci, cher canard. Vous savez quoi? Moi je dis, on va le choper, on va voir ce que ça donne son méga. Voilà, si je vais pas l'utiliser, mais je veux voir à quoi ressemble son méga. Alors, viens ici, je m'en bats les couilles frère, je veux même pas te regarder, je vais même pas te donner un surnom. On va aller à la ville, on va le récupérer en ville, voilà, mais oui, c'est bon le canard, on a compris. Ok, donc nous voici à Amphitrite. Bonjour! Alors, bienvenue à Amphitrite, la ville près d'un lac, ok. Ok, apparemment. Ah oui, c'est vrai, il y a une arène. Le mec, il est basé autour de la pluie, je crois. C'est ton endroit préféré, blablabla. Ouais, ok. Salut. Ok, je vais d'abord aller voir là. Bonjour, monsieur. Ok. D'accord, ok, t'arrives pas à pêcher parce que c'est pas assez profond. Bonjour. Alors, les Pokémon rares et légendaires qui migrent à Tauren, ok. Bon, écoute, pompe à vélo, moi j'ai envie de te dire. Un quiz compétitif, bon, vas-y, je prends. Alors, première question, je t'écoute. Alors, ok. Très bien, alors. Lequel de ces Pokémon est le plus lent? Ils sont tous très lents. Je vais dire Ramolos. Ah, c'est pas Ramolos. Donc, Ramolos, Nodulite, Rakaillou. Et Cracnoix. Je pourrais regarder sur internet, mais j'essaie de le faire de tête. Allez, je vais dire Nodulite. Non, c'est pas Nodulite. Donc, Rakaillou. Bon, du coup, c'est Cracnoix. Cracnoix. Ah, merde. Bah, fais gaffe. Donc, Cracnoix. Je veux bien te croire. Ensuite. Laquelle de ces natures serait mauvaise pour Voltali? Alors... Voltali, on sait qu'il est rapide, on sait que c'est un Pokémon qui tape sur le spécial. Timide est une excellente nature parce que c'est plus vitesse, moins attaque. Modeste, c'est excellent parce que c'est plus attaque SP, moins attaque. Quirky, c'est bizarre, c'est neutre. Il reste que Jolly qui est jovial, plus vitesse, moins attaque SP. Exactement. Dernière question. Alors, que qu'arrive, qu'advient-il des attaques de type eau lorsqu'un Dracaufeu qui tient la Dracaufeu Y entre sur le terrain?
Alors, soit ils sont affaiblis pendant 5 tours, soit ils sont pendant 8 tours, soit ils s'évaporent, soit rien du tout. Je pense que la réponse est rien du tout. Pourquoi ? Parce que la situation est la suivante. Oh, c'est un changement de Pokémon, tout ce qu'il a de plus simple. Il dit qu'il tient la Méga Gemme, mais il ne dit à aucun moment qu'il l'a utilisée pour méga évoluer. Donc, partant de ce principe, son talent sécheresse n'est pas actif. Ce qui veut dire que les probabilités, enfin les possibilités de réponse 1 et 2, elles sont affaiblies pendant 5 ou 8 tours, sont fausses. Elles ne s'évaporent pas parce que c'est seulement terre finale de Groudon, ce qui veut dire qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est une question piège. Voilà, il a dit quand il entre sur le terrain et pas quand il méga évolue. Là, c'est la terminologie, c'est la formulation de la question qui est un petit peu piégeuse. Et tu me donnes Dream Miss, qu'est-ce que c'est ? D'accord, ça vient des Mouchanas du Nice. D'accord. Ça fait quoi ? Dream Mist, de quoi ça s'agit ? Ok, on sait pas ce que c'est. Hello Wiki, tu m'expliques qu'est-ce que c'est STP ? Alors, le Wiki de Pokémon Insurgent, voilà, je l'ai là. Dream Mist, qu'est-ce que ça fait ? Oh, d'accord, ça permet de débloquer le talent du monde des rêves de certains Pokémon. Mais ça peut être vachement pas piqué des hannetons, ça. Ah, que je vois s'il y a des talents sympas. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans les télés. Si on peut choper un truc sympa, je vais faire une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais ! Non. Et on va voir ce qu'il y a en surfant par ici, tiens. Je veux dire, après tout, on est en train de visiter la ville. Ok, le jeu a eu un petit raté. Enfin, remarque, si les mecs n'arrivent pas à pêcher, ça m'étonnerait qu'on arrive à... D'accord, on était sur Terre. On était sur la Terre ferme, vous l'avez vu ! Alors, un Sapro, non. Oh, bonjour. Attends, ça c'est Nora. La madame en verte, c'est Nora. Et ça, c'est là, par contre, c'est la seule voix que je vais reprendre. C'est un salut à ta vie, tu vois. C'est genre, on se fait un petit whiz sur un petit poke sur Facebook, Instagram, t'as vu ? Ah, mais babou, mais OMG, quoi. OMG. Genre, oh my god. Genre, je t'ai pas poke depuis tellement longtemps. Ça fait trop plaisir de te revoir. Genre, tu vois, t'es là. Je t'ai cherché partout, quoi. Alors tu vois, je te présente Calriff. Alors déjà, il est trop beau, d'abord, c'est mon BFF, c'est mon poteau, je le suis sur Instagram, j'ai liké toutes ses photos, et c'est le champion d'arène d'Amphitrite. Alors quelle voix je vais te donner à toi ? C'était le changement de voix. Calriff, qu'est-ce que je vais te donner comme voix ? Ah ben, je pourrais te donner la voix d'Obélix. Allez, vas-y, tu vas voir la voix d'Obélix. Enchanté de te rencontrer, babou. T'as déjà rencontré ma petite amie Diana, elle m'a appelé, elle m'a dit que je devais t'attendre. Ah, je vais chercher partout tous les deux, Astérix. J'ai entendu toutes les histoires. Des enfants qui ont battu une secte. Oh, moi j'ai battu les Romains, moi tout seul, mais c'est parce que j'ai tombé dans la potion magique. Et j'ai tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Enfin, c'est un peu gênant, Astérix. Nous les champions d'arène, on va vraiment vous filer un coup de main. Allez, j'en ai l'intention. Diana et moi, on aimerait vous rejoindre tous les... On aimerait vous s'allier à vous deux, si vous êtes d'accord, Astérix. Mais je peux vous aider encore mieux que ça en te présentant à quelqu'un. Ah, tu vois, quand j'étais plus jeune, Astérix, j'habitais pas en Gaule. J'habitais dans la région d'Aroma. Mon meilleur ami et moi, on était des super dresseurs. On pétait tous les Romains et on mangeait tous les sangliers, Astérix. Et je crois que quelqu'un nous a vus. On a tous les deux été choisis par des petits Pokémon légendaires. Mon ami était choisi par Victini et moi par Manaphy. Wait. Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider avec les espèces de statues à la con, là ? Elle travaille pour quelqu'un d'autre maintenant, Astérix. Je lui ai promis que je la formerais si je trouvais quelqu'un d'autre qui était choisi par les petits légendaires. Ce serait bien si vous deux pouviez le voir. Apparemment, il s'intéresse à vous, Astérix. Il y a une grotte dans le lac au sud. Continue, vous pourrez pas la louper. Je vous promets qu'on est tous du même côté. Vous avez un ennemi en commun et il a dit qu'il avait quelque chose à vous donner. Venez me voir quand vous aurez fini. C'est moi qui dirige l'arène après tout, Astérix. C'est là que je vous défie. Probablement pas de combat d'arène. Vous obtiendrez votre badge et on pourra parler de stratégie. Ça vous va ? Ok. A plus ! Non mais genre, OMG, t'as vu comment il a trop bien parlé ? Enfin, il a parlé avec lui-même. Enfin, il a fait un monologue. T'as vu, je connais des mots importants, quoi. T'as vu ? Mais tu vois, je suis curieuse, alors moi, tu vois, je vais trop aller dans la grotte. Et c'est surtout parce que si t'y vas pas, eh ben tu pourras pas faire avancer l'histoire pendant ta gueule le quatrième mur, quoi, t'as vu ? Ah, je sais, je devrais trop pas lui faire confiance comme ça, mais s'il a vraiment été choisi par Manaphy, ça peut pas vraiment être un connard. Et puis en plus, il est trop beau, quoi. Enfin, j'espère.
Ce serait trop trop bien si tu pouvais me voir, comme ça on pourrait faire plein de selfies dans la grotte, genre comme ça. Ou comme ça. Puis genre on est trop des BFF quoi. Mais j'espère trop que je vais pas rentrer dans un piège. Enfin, on peut vraiment pas faire confiance à personne quoi. Non mais OMG quoi. Alors je te retrouve dans la grotte et tu me fais pas attendre. Ouais ouais ouais, on lui dira. Moi d'abord je vais aller chez les gens. Bonjour. Est-ce que t'as rien? Bonjour. T'as rien? Bonjour. Ok, oh, tu veux me donner un Pokémon, d'accord. Un type ténèbre contre un... Oh, un type ténèbre contre un truc muche-pouette. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc muche-pouette. Bonjour. Ok. Est-ce que j'ai un type... Alors déjà, il faut que je trouve le centre Pokémon. Je veux bien accéder à votre requête, cher monsieur. Bonjour. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Un mythe du djinn. Ah, d'accord. Tu veux voir ou pas? C'est quoi cette statue à la con, là? Oh, centre Pokémon! Alors, y a des gens qui ont peuvent... Oh, dis donc, il est énorme, ce centre Pokémon! C'est quoi le fuc, ici? Bonjour? D'accord, apparemment, c'est chaud, patate, la reine. Bonjour? Ah, ouh, attends, tu veux... Qu'est-ce que tu proposes? Toi, t'as un truc un peu métal, comme ça. Oh, les oreilles... Vas-y, je vais prendre les oreilles de chat. Ok, en chemise, qu'est-ce qu'on a? Enfin, oh ouais. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça, allez hop. Hop. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on peut prendre? Vas-y, je vais prendre ça. Et enfin, au sac, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais. On va prendre le sac... I'm a blue, da ba di da ba da. Et au niveau de la couleur des cheveux, on va se mettre en... En comme ça, voilà. Et puis vous savez quoi? Je crois que c'est dans les vêtements, je crois que c'est ici. Donc je vais porter ça, je vais porter ça, je vais porter ça, je vais porter ça, et je vais porter... Alors le mec qui se déshabille devant la vendeuse, hein. Je dis ça, je dis rien, maintenant notre personnage... Ouah, comment il a trop la classe notre personnage. Alors, je crois que ça glitch un petit peu. Donc je crois que je vais prendre d'autres vêtements, hein. Je vais prendre genre juste ça. Et je vais prendre un autre futal, tiens. Genre je vais prendre ça. J'ai l'impression que les vêtements ils buguent un petit peu. Voilà, et si je fais ça... Je crois que c'est les cheveux qui buguent en fait. Bon bah je vais revenir à ça, hein. C'est mieux. Ça bug moins. Oh bonjour. Ok, ouais, blablabla, blablabla... Oui, donc ça, je m'en bats les couilles, frère. Boutique! Bonjour, boutique! Tu peux pas me parler de ce côté, espèce d'enfoiré? Alors, par contre... Oh non, c'est bon, j'ai assez... Je pense que j'ai assez à ce niveau-là. Voilà, c'est tout, merci, bonsoir. C'est tout pour moi, je m'appelle Babouinet. Apparemment, il y a des trucs bizarres dans la grotte du lac. Oh, putain, mais c'est quoi ça, dis donc? Ok, il y a le Mont Rose au nord-est, blablabla. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, d'accord, je peux... ouais. Waouh, on a un skinhead. Non, je vais reprendre les choses, c'est bien. Bonjour. Apparemment, Calry, c'est un méga ou que les autres régions ne connaissent pas. Ça risque d'être fun. Ok. Bah, du coup, on va redescendre. Alors, je vais faire deux choses. Je vais récupérer Eliatron pour montrer son méga. Est-ce que j'ai un type ténèbre là-dedans? J'ai... Oh, j'ai plein de trucs, dis donc. J'ai même pas fait gaffe, j'avais deux boîtes. Oh tiens, je vais envoyer un moufouette. Et on va prendre Eliatron pour montrer son méga. Puis c'est Togekiss qui va rester là-dedans. Alors... Donc, la méga gemme, elle est où ma méga gemme? Elle est là. Tiens, prends la méga gemme. Ouais, on va peut-être soigner l'équipe parce que ce serait pas une mauvaise chose, hein, voilà. Donc, ici déjà, bonjour. Ok, ah, oh, je peux prendre des... Ok, BO rentre. Ok. B marron. B fraise. Qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour. D'accord, vous êtes installé ici, après vous êtes marié et t'aimes pas ça. Blablabla, blablabla, ouais, je m'en bats les couilles, frère. Bonjour, monsieur, je t'ai parlé à toi. Ok, t'as de l'énergie. Ok.
Ok, t'es un peu sous stéroïde, poteau, hein. Attends, c'était cette maison-là où il y avait l'échange. Ouais, c'est toi. C'est lui, c'est lui. Tiens. Et tu m'envoies... Ok, comment il s'appelle... Ok, c'est radar, c'est un normal. Il me semble qu'il y avait un... Il me semble qu'il y avait un delta, hein. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va parler un petit peu. Bonjour, bonjour, j'ai dit... D'accord. Oh, apparemment, tu doutes de l'augure. Ouais, attends, t'as raison, l'augure, c'est un peu un connard. Hein. Un enfoiré, un gros connard, une sombre voile. Je crois que la grotte où on doit aller, elle est ici, mais je vais continuer mon exploration de la ville d'abord. Un anti-brûle, très bien. Bonjour. Alors, tu avais quelqu'un qui vend un œuf, d'accord. Ah bah, c'est bien. Ouais. Un bulle bizarre contre un Karatrok Delta, j'ai pas de bulle bizarre. Attends, y'a une Master Ball. Je veux la Master Ball. Comment... Oh, un rappel, je l'ai pas vu. Comment je veux la Master Ball. Ok, quelque chose d'intéressant. Yuki, de la cour du conseil des 4. Ok, bonjour. Oh putain. Tu la sens, la référence à Star Wars arriver. C'est la tragédie de Dark Plagueis le sage dans les Star Wars. Alors, c'est la tragédie de l'admin Giovanni le sage. Ah d'accord, je vais là. Évidemment, ce n'est pas une histoire que les champions d'arène t'ont raconterait. C'est une légende de la Team Rocket. Giovanni était le chef de la Team Rocket, si puissant et si sage qu'il pouvait utiliser la science pour influer sur l'ADN et créer la vie. Oui, enfin bon, t'as jamais entendu parler de la Team Rocket ou de Giovanni? Ok, il se fout juste de ma gueule, il veut juste caser une référence à Star Wars. Si tu perds, ouais, je suis d'accord. En cas de problème, t'as toujours eu une mauvaise RNG, je suis totalement d'accord. Ah mais à 250%. Évidemment, le champion d'arène n'est pas long, même si on voulait... Attends, il y a eu combien de personnes qui m'ont tenté cette arène? 35 940, et il a fallu... Ouais, un essai pour gagner, je pense qu'il faut compter ceux qui étaient en random et tout le bordel. Oh, bonjour. Ok. Ouais, bon, je m'en bats les couilles, frère. Du coup, je suis là, je peux pas y aller, là. Bonjour. Ok, je peux avoir des trucs intéressants. Salut, Noctali. Bonjour. Oui, bah de toute façon, je vais le défier, t'inquiète, hein. Ok. Stevan, tu dois savoir tout avant de devenir un fan de quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Un de tes Pokémon s'est échappé sur la route 14, d'accord. Un hypnomade de niveau 25. Moi je dis on peut aller voir. Bonjour. Ok, donc le champion de Torrent est un quelqu'un de très mystérieux qui... Ok, d'accord. Ok, la nana elle a un exagite chez elle, tout va bien. Bonjour. What? Oh putain cette vanne. Tu peux sortir avec moi si tu veux, je suis pas mineur. Ça qui est bien c'est que la vanne marche en français aussi. Putain mais vas-y, je peux pas aller prendre la Master Ball, sa maman. Ok. Wait what? Il y a une patrouille près vers le Mont Rose. The fuck it fuck? Ouais non, oh merde. Je voulais pas t'affronter monsieur. Rose Abyss. Ah ouais, mais non, oui, mais non, 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 non. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Je vais tenter un truc à la con. Aïe. Mega Evolution, Mega Shinka. Oh, cette tronche. Il est calme. Oh, ce one-shot, les bitches! Du coup, j'ai pas eu le temps de voir son talent. Attends. On peut le voir comme ça. C'est quoi son talent, Omega? Ah, il est plante-feu! D'accord. Son talent, sans feuille. Alors, par contre, si je pouvais avoir toute la description du machin, ça serait vachement bien. Donc, unlift. Alors, une Léa Fête. Qu'est-ce que ça fait? Ok, ah d'accord, donc c'est plus 1 en attaque, dans toutes les stats. D'accord, et ça dure pendant... en fait, ça dure pendant un nombre de tours équivalent au nombre de Pokémon KO dans votre équipe. Donc si vous envoyez ce machin en dernier et que vous méga évoluez, vous avez plus 1 dans toutes vos stats pendant 5 tours, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, moi je vais envoyer... Tux. Evolution.
Ah ok, t'es con avec ta... ton tombe. Oh, séisme, j'avais zappé ce détail. Fuck. Tu peux le brûler, STP. Oh, torrent, bitch. Excellent. Et enfin, un saut lourdeau, je vais rester. Du coup, je suis dans torrent, donc j'aurai à faire de bons gros dégâts bien fat. Oh, merci la brûlure, je pense que j'aurais pas tenu sans ça. J'aurais pas tenu sans ça, ouais. Ok, bon, du coup, je voulais pas t'affronter, mais je t'ai affronté, cher monsieur. J'ai fait cette baraque. Non. Oh, d'accord, vous avez des tout tanks à faire qui se baladent chez vous, vous... Oui, apparemment... Oh, attends, wait, what? Apparemment, il y aurait Pierre Rochard ici. Blablabla, blablabla, blablabla... Bla, bla, bla. Oh, une gemme fantôme, un joyau fantôme, un joyau spectre, je prends, bonjour. Ouais, vas-y, fais péter. Je prends l'œuf, zéro problème. On le fera éclore plus tard. Mais au moins, on a le 9. Je t'ai parlé à toi, madame? Oui. Oh, un orbe vie. Un orbe, nah, et ça, c'est cool. Bon, je vais retourner sur le Pokémon. On va quand même aller vers la grotte. Maintenant qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Alors, je sais pas trop si on pourra faire ce qu'on voudra faire. Au pire, ça fera un petit cliffhanger des familles. C'est pas un problème, les cliffhangers. Non, là. Bon, sur remarque, attends. Voilà, t'as ta méga gemme, hein. De toute façon, je compte pas utiliser de méga Eliatron. Si on m'avait dit que je pourrais voir un méga Eliatron dans ma vie, j'y aurais moyennement cru, voyez-vous. Allez, direction la grotte au sud. On va voir un petit peu c'est quoi le fuc ici. D'ailleurs, il y aurait pas un item dans le coin? Un moyen de choper la Master Ball, par exemple? Parce que j'ai l'impression que cette Master Ball, c'est un énorme troll. J'arrive à mettre ça pour te dire, t'es mad, tu veux la Master... J'ai pas soigné, ok. C'est genre, t'es mad, tu veux la Master Ball, bitch. La Master Beach Ball. Un truc comme ça. Ok. Moi, je continue à voir, ça pas un truc sur les verres. Oh, bonjour. Ok, ma chouille. C'était une mauvaise idée. Mais t'as une tronche de type acier déjà, toi. Ok, rien dit, rien d'intéressant, qu'on va aller trouver la grotte, elle est là. La grotte, elle est là. Yanma, nope. Rien à foutre, je suis Belmondo. Genre, je peux pas me barrer. Non, mais ta maman, la pimpon, là. Oh. Pas élevé les cochons ensemble. Ok, comment il s'intitule, cet endroit? Ah bah, le machin, il pop pas, c'est génial. Attends, on est où? Dexnav. Il faut que je clique sur la map. On est nulle part, c'est génial. Attends, Amphitrite, c'est là. Je sais pas comment s'appelle cet endroit, c'est... Attends. Si je sauvegarde... Crystal Caves. Ok, bon, on va faire la sauvegarde. J'ai bien envie de faire le cliffhanger ici, en fait. J'ai bien envie. À la limite, voir s'il y a un personnage important, et si on peut le faire avant... voilà, et si on peut s'arrêter... Ah, oh, bonjour, monsieur. D'accord, il y avait des dresseurs. Bon, au moins, on peut les faire. Bonjour. Alors, je suis un peu une quiche pour deviner les types, mais t'as une tronche de type feu, toi. Du coup, tu vas prendre une petite lame de roc des familles. Et c'est x2 et pas x4, parce que nous avons entendu le schling. Ok, magnézone, je vais rester. Jamais de fois que ce soit un magnézone delta. Allez, séisme. Ta maman, le séisme, va te faire en papa outé. Girobal, lul. Voilà, bah moi je me booste. Bitch. Voilà. On est bon, on est pas mal là. Et enfin, tout en qu'à faire. Bon écoute, je suis à plus 3 en attaque, je vais pas me gêner. A plus. Et Gojira, niveau 72. Bien. Et si on s'occupait de Tux maintenant? Parce que depuis la reprise, c'est un peu le mal aimé, Tux. Une hyperbole, il y avait un truc par là-bas. Mélophée, ça m'intéresse pas. Ah, j'aurais aimé trouver la CT de Lumino Canon, mais... mais je sais pas où elle est. Genre, il y a une Pokéball qui est dans un truc où je peux pas aller. Oh, mais sa maman la pimpon, quoi. Oh, il s'est cassé la figure. Ah, il s'est pas cassé la figure. Attends. Ça qui est bien. C'est que je peux utiliser Aqua Jet sur plus torrent. C'est le genre de truc qui fait relativement zizir.
Ouais, peut-être prendre un truc, je sais pas, peut-être un autre truc un peu plus rapide ou un autre type pour voir ce que je pourrais mettre à l'île. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose d'intéressant en réserve. C'est pour ça que je compte sur les rencontres. Non, on m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je mets pas de repose, bonjour. Alors, je pourrais aller en bas ou je pourrais aller vers l'or. Qu'est-ce que t'as, Tauros? On bat les couilles, frère. Ça, regarde, je fais ébullition. Tu peux le brûler, STP. Ou faire un coup critique, ça marche aussi. 71 pour Tux. Ok, c'est la version Delta qui est de type électrique. Jiraim vient ici. Ça, on va faire marcher Absorb Vol. Et on va y aller avec Point Glace. Pas très efficace. T'es en train de me dire qu'il est de type glace ou eau en plus de ça? Ok. Électrique acier? Parce que glace et psy sont pas très efficaces, je crois que c'est le seul type qui a c'est ça. L'ombre, je vais rester. Putain, c'est plus un Pokémon, c'est des cartes Kane dans Diablo. C'est le mec qui identifie les trucs dans Diablo. La même tronche, toujours de type... Oh, cool. Putain, mais cette vanne, quoi. Cette vanne. Par contre, on retrouve où, ça m'intéresse. Roserad. Ce serait pas une mauvaise idée d'avoir un Roserad dans l'équipe. Voilà, on est pas mal. C'est pas mal, là. C'était mieux, là. Ok, alors je peux rentrer ici. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer ici? Pandarbar. Non, merci, salut. C'est là que je dois rentrer. Ah, d'accord, il y a un Pokémon. Hey, ça faisait longtemps! Est-ce que c'est ici? Je sais pas. Bonjour. Ok, j'en ai deux trucs de merde, tout va bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire, quitte à faire du combat double, je vais faire l'eau et l'électricité ensemble. Ce sera pas mal. C'est-à-dire, tu veux pas te battre, mais si tu veux te battre. Croc horrible. Évidemment, t'as séisme. Parfait, boosté par torrent. J'aime bien cette petite stratégie des familles. Hop. The fuck? The fuck is that shit, dude? T'es quel type? On va tester une ébullition. C'est super efficace. Toujours de type roche, je vais supposer. Mais c'est intéressant, ça. Je dirais même que c'est intéressant. Oh, attends, c'est pas Tesseract qu'il faut utiliser pour passer, là? Juste retourner dans l'autre salle. Voir s'il n'y avait pas un truc vers le haut. Et je pense que le cliffhanger, je vais le faire après avoir exploré la salle. Comme ça, on a un petit épisode tranquillou de 35 minutes, c'est pas mal. Oh, mais vas-y, ta maman, laisse-moi me barrer, là. Non, mais... Y'a rien. Bon, et ben vous savez quoi, je vais mettre devant l'endroit avec Tesseract. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va clore cet épisode. Je vais donc vous remercier. Après, attends, on va peut-être pas faire les autres. Ah, c'est con, c'était un bulle bizarre, je t'aurais attrapé pour le Delta. Mais bon, on va rester ici. On va sauvegarder car vous seuls les mesure d'empêcher la perte de vos données. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Pokémon Insurgents. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, si vous pouvez le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Tant plus à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler de la chaîne autour de vous si vous avez tout ça. Vous le savez, la petite notification, ça fait plaisir. Les mots épiques et les fails avec les hashtags associés, et puis tout qu'est-ce qui s'ensuit, hein, vous connaissez la musique. Et donc, en attendant de voir ce qui nous attend dans cette grotte et peut-être un combat d'arène, on verra bien. Dans tous les cas, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.